Hello tout le monde, c'est Marie, je suis bien arrivée à la VVX comme vous le voyez. Je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure comment ça se passe au niveau de l'organisation, au niveau de la course, la soirée, les festivités et puis surtout l'expérience un peu sportive que je vais vivre. Et puis je vous montrerai un petit peu aussi les derrière de ma préparation pour préparer ces 25 km qui auront lieu demain. De la Baltique. On va se lever très tôt, mais il le faudra. 4h du matin, toi aussi, évidemment. Le Bouillard, j'espère qu'il sera là aussi. Bon, là, ça y est, je viens de terminer le repas de ce soir. Alors, franchement, c'était pas mal. Des petites lasagnes, une petite entrée et un bon dessert. On verra demain si je le regrette ou pas. Et là, c'est parti, direction l'hôtel pour préparer le dossard et la tenue de demain. À toutes, ciao! Là, je suis en train de regarder le parcours pour demain, parce que mieux vaut tard que jamais. Hein. Et moi, je suis très à la minute sur ça. Donc là, le départ, ça va être le plus compliqué jusqu'au 10e kilomètre, parce que c'est que de la montée. Et à partir du 10e kilomètre, ça va être canon sur les crêtes jusqu'au 16e. Puis après, il va falloir enchaîner hein, jusqu'au 26e kilomètre. C'est pas 25, c'est 26 en fait. Mais ça va être top. Et du coup, là, j'ai préparé toutes mes affaires pour demain. J'aime bien checker la veille. Donc avec le short, le t-shirt léger, j'ai la brassière, le petit dossard avec les épingles. Évidemment, il y a du matériel obligatoire avec la couverture de survie, le sifflet, le petit gobelet, la petite barre. On a Volvic, donc obligé, on va avoir de la Volvic. Et puis, évidemment, le sac d'eau. Donc, moi, j'ai Oxytis qui est vraiment top, hyper léger. Puis avec les petites gourdes à remplir à chaque fois au ravitaillement. Donc, ça, voilà, il faut bien dormir ce soir. Et puis, demain, let's go, hein. Petit déj et puis c'est parti. On enfile la tenue et on prend la ligne de départ. Et là ça y est, à 20 minutes du départ, la pression monte automatiquement. On se met dans sa bulle. Et j'espère que le temps va un peu s'améliorer pour avoir une belle vue sur la montée, parce que moi je monte pas pour rien, ça faut savoir. Bah là, en fait je crois que je suis partie des 3-4 favoris du fameux fichier. Tu vas y aller tranquille. Si elle est en mode survie pour ce 25 km. Mesdames et messieurs, voici Marie Oex. Vous allez applaudir cette candidate de Koh Lanta. Merci, on l'applaudit. Et qui va participer au 25 km. Bonjour Marie. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Je m'attendais pas à monter sur scène quelques minutes avant le départ, mais pourquoi pas. Et tu vas voir, ça va t'étendre, tu vas être bien, tu vas être impeccable pour le début de cette compétition. Première venue du côté de la VVX. Bah oui, une première et ça a l'air super sympa. C'est magnifique, le cadre a l'air incroyable, donc trop hâte de commencer. 4, 3, 2, 1, top départ, fin du rouille. Bravo. Attends, vous êtes pas aussi vite hein? Bravo! C'est la première chiffre. Allez, super! Bravo! Allez, bravo. On a choisi la bonne montée là. Agré.
Allez, c'est bien Marie. Allez, bravo Marie. Allez, c'est reparti. Je suis tombée quand même au 12e kilomètre, je tiens à le préciser. Ah. Je me suis trompée de chemin. Allez, bravo! Tu as kiffé, tout était positif. J'étais tellement bien que je suis tombée dans la descente. Je volais. Je suis trop contente! Mélissa Ferber, t'as entendu? Bali! Bah non, j'étais au feeling. Franchement, que du bonheur, c'est pour ça. Un petit peu plus bas, et ben c'est la réalisation, ce sont plus ambitieuses que qu'un autre rail. Et aujourd'hui j'ai quand même une communauté qui est engagée dans la course à pied, dans le sport en général. Je sais que c'est super sympa de pouvoir partager les aventures sportives, les courses. Vous l'applaudissez très très fort, Mario Alex. Ah, alors, ouais, parce que Thierry, il aime bien mettre en difficulté les filles. Alors, il fait des sculptures un peu loin. Et elles sont magnifiques, ces sculptures. Je sais pas comment les prendre en moi, mais c'est magnifique. Oh, tu le fais ou pas? Bon, bah voilà, je m'attendais pas du tout à remporter la course des 25 km. Je suis trop contente. Le parcours était dingue, l'ambiance incroyable. J'ai un super trophée de 7 kilos à ramener chez moi, donc franchement, ça fait trop plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro avec moi. Ciao!